de ce côté. Quelqu'un veut une collation? Kratos, une collation? Je n'ai pas besoin de collation. Mais on a besoin que tu nous aides à rejoindre Svartalfheim pour qu'on puisse sauver Tyr. Tyr? Il est vivant? Enfin, je veux dire... Quoi? Ne t'inquiète pas, je lui ai tout raconté. Vraiment tout? Tu as aidé mon fils à me désobéir. Non, j'ai gardé un œil sur lui, à ta place. Rien de risqué, la sécurité avant tout. Vas-y, c'est à toi de parler. L'important pour le moment, c'est d'essayer de rouvrir le passage entre les royaumes. Tu dis connaître un moyen? Oui, oui, c'est vrai, c'est que... C'est juste que... Il y a beaucoup de boue. Alors, pourquoi le passage n'est-il toujours pas ouvert? Pour être honnête, nous avions besoin de ton aide pour une certaine chose. Oh! Les frères Huld ont enfin besoin du secours de l'homme le plus intelligent qui soit. C'est exactement ça. Hé! Pas si vite! Comment c'est arrivé là, ça? Et qu'est-ce que c'est au juste? C'est mon fils. Par les terres de Yarnsmida, que lui est-il arrivé? Il est beaucoup trop grand! Et il ressemble à... ça! C'est de ta faute! Bon, venez, qu'on lui trouve au moins quelque chose à sa taille! Il ne fait que grandir, espèce de crétin! N'as-tu jamais eu de moment gênant dans ta propre jeunesse? Hé! Hey. Bah, ce qui est fait, est fait! Oh, mais il est temps que tu tapes du poing sur la table, si tu veux, mon avis! Oh, il essaie, tu peux me croire! Très bien. Tâchons de vous équiper avant que vous repartiez en balade. Commence par ça. Il est en sale état. Tu préfères pas que je t'en fasse un nouveau? Celui-ci compte à mes yeux. Bon, je vais voir ce que je peux faire. En attendant, est-ce que vous auriez besoin d'une bricole en plus? Je n'ai de quoi en faire qu'un seul pour le moment. Rapporte-moi donc plus de matériaux, et je verrai ce que je peux faire. Si le gamin continue de grandir comme ça, va falloir passer me voir plus souvent pour lui montrer de nouvelles choses.
trouvé des trucs que t'as laissé traîner. Tout est dans le coffre. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi? Je vais explorer les lieux, visiter ma chambre. Préviens Sindri quand tu veux. Prends-en soin, et elle te sauvera la vie. Cet endroit est incroyable, Sindri. Tu l'as construit tout seul? Hé, hey, viens voir. C'est probablement leur garde-manger. C'est bon à savoir si jamais on a un petit creux. Est-ce que tout est à votre goût? Comment déverrouiller les royaumes? On doit récupérer quelque chose à l'atelier. Suivez-moi! Et n'oubliez pas la tête. Donc, où Tyr est-il retenu exactement? Dans une mine, quelque part. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Je vois. Le royaume est rempli de mines, tu sais. Il va falloir réduire la zone de recherche. Oh ! Vous devriez aller voir Durlin. Qui est Durlin ? Un cousin, en quelque sorte. Il travaille à la sécurité de la ville. Il devrait posséder quelques informations à propos des mines. Et il ne porte pas Odin dans son cœur. C'est d'ailleurs pour ça que ta mère est allée le voir quand elle a tenté d'organiser une révolte. Tu es prêt ? Une révolte ? Tu étais au courant ? Non, je l'ignorais. Un chef rebelle qui connaît ses mères. On n'aurait pas pu rêver mieux. Vous n'avez pas fait attention au... Tada ! Bon, peu importe. Je m'occupe d'huiler tout ça. Retrouvons-nous dehors, devant l'accès mystique. Chef rebelle ? Durlin ? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme... Atreus ! Bien. À plus tard, Sindri. Tu as entendu ? Il ne manque plus que le Bifrost et la tête. Brock, c'est toi qui t'en occupe. Arrivons-nous à la partie où mon aide est requise? Tout juste. Cet appareil a été conçu spécifiquement d'après tes mesures. Grâce à lui, toi et tes yeux de Bifrost, vous aurez une meilleure vue du problème. D'accord. Et dois-je essayer de contrôler cette chose? Oh non. Non. Ceci te maintient en place pendant que je te mets cette lumière dans les yeux. Ah, Sindri, espèce de foutu nabo! Ah Allez, on ouvre les yeux. Oh, moi qui espérais ne pas avoir besoin des pinces à paupières. Vas-y. Continue. Bien, libère tout. C'est toujours désagréable. C'est le moment, allez, on se dépêche. J'arrive.
par les œufs de Rasvelger. À quoi sert tout ça? Tu le sauras bien assez tôt. Il ne reste qu'à régler. Voilà. Ouais, bon. Tu vois? Pas de dégâts permanents. Ah, tu veux des dégâts permanents, Salopio? Kratos, lance-moi, l'écran en avant. Oh, allons, on peut plus plaisanter, vieux bouc. Le Bifrost est cassé. Maintenant que nous avons reconfiguré les accès pour utiliser des graines d'Yggdrasil, plus besoin de table de passage, ni de lampe à Bifrost. Je n'ai plus de lampe tout court. Je vois. C'est noté. Je trouverai une solution. Mais d'abord, approche. Je vais t'expliquer comment ça marche. Pointe ta clé sur la rune de Svartalfheim, à droite. Ensuite, concentre-toi. Cela vous mènera jusqu'aux zones humides qui bordent la cité de Nissavellir. Trouvez la place centrale et demandez Durlin à la taverne. Ils le reconnaîtront à la taverne? Durlin a toujours été un ivrogne invétéré. J'imagine qu'il a peu changé, mais si j'en crois à mon expérience... Tu veux nous accompagner? Oh, je passerai peut-être. Mais les zones humides sont... humides. Et elles grouillent de morne, des créatures violentes, gluantes et nauséabondes. Bonne chance! Merci! Attends, quoi? J'ai dit bonne chance!